Salut à tous, c'est Pumpki, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, c'est la grande forme. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto zombie. Trois chemins pour activer l'électricité dans des rails et comment monter la nouvelle arme, le slickificateur. Allez, on se retrouve tout de suite pour le premier chemin. Et nous revoici pour le premier chemin. Alors, c'est le plus long et le plus coûteux. Seulement, c'est le plus sûr en quelque sorte. Car vous avez des étapes pour acheter des armes. Là, la PDW, je vous le montre. Et vous avez pas mal d'étapes comme ça, sympa. Genre là, dans cette pièce, je vous montre aussi. Vous avez la table de montage pour le propulseur. Après, vous allez dans le trou de l'ascenseur. Vous descendez, mais étape par étape, parce que sinon c'est un peu trop haut et vous mourrez. Donc là, une fois, étape par étape, là vous prenez bien les trucs intermédiaires en porte qui va vous amener à l'étape d'en dessous directement. Là, ça vous amène direct en bas. Voilà, mais bien les étapes intermédiaires parce que sinon vous mourrez. Là, la N94 qui est très pratique pour la manche des goulous, car dans ce zombie il est très puissant et recharge très vite. Donc là, on arrive à l'endroit que j'appelle chez les Chinois. Donc cet endroit aussi est très pratique pour la manche des Goulons car il est très grand et on peut tourner très facilement. Donc là j'étais en haut, on peut arriver à l'électricité par en haut mais je vous montre par en bas, c'est plus simple et je le connais mieux. Donc là, voilà le petit labyrinthe. Là on arrive à la salle de montage pour le slickificateur. Donc je vous montre. Là on s'en va au-dessus, encore quelques pièces mais bon là il n'y a que deux possibilités, donc si vous arrivez du côté de l'ascenseur, c'est que c'est de l'autre. Vous ouvrez, là on arrive directement en face de la porte pour allumer l'électricité. Allez, on se retrouve de suite pour le chemin de dessus. Et nous revoici pour le chemin 2. Donc là, comme d'habitude, on prend la porte, mais là seulement on va derrière. On n'ouvre pas le canapé pour passer par l'escalator. Et là, par contre, on va descendre par l'escalator. Donc vous avez le SVU là, à acheter, mais bon, c'est pas très intéressant. Donc là, vous passez par le petit couloir qui va vous amener directement derrière le comptoir. Là, la petite pente. Et je vous montre où est la boîte au passage. Donc, chose très pratique. Donc c'est aussi un passage où vous pouvez avoir des armes, sympa, donc c'est pas mal. Donc, là, encore une fois, on est à l'étage juste en dessous, excusez-moi, de là où on était précédemment, donc on descend aussi par le trou de l'ascenseur. Donc maintenant, c'est exactement le même chemin, donc je vais vous le montrer en accéléré. Donc pareil, là on continue, on ouvre la porte, on arrive chez les Chinois. Donc là on descend, on fait le petit saut et bien attention à être bien sur la poutre parce que là si vous vous chiez c'est un petit peu dommage parce qu'on pourra pas vous réanimer. Donc là toujours le petit labyrinthe avant la pièce du slickificateur. Là on monte les... Donc là je prends une petite baffe parce que j'ai ramassé la pièce à la place de ouvrir la porte. Donc là j'ouvre et encore une fois on est en face de la pièce pour l'électricité. On se retrouve pour le chemin 3. Donc on se retrouve pour le chemin 3 qui est vraiment le plus court et le moins coûteux. Seulement, vous n'avez pas d'armes quand vous arrivez à l'électricité, mais vous n'avez qu'une porte à ouvrir. Donc là, on voit que je descends par l'ascenseur directement. Donc je vous explique vite fait, pour descendre par l'ascenseur, il faut que toute l'équipe qui est dans le zombie soit dans l'ascenseur. Donc là j'étais tout seul, donc je descends tout seul, mais si vous êtes 4, il faut que les 4 soient dedans et ainsi de suite. Donc là, on arrive directement à la pièce de l'électricité. Allez, on se retrouve pour le montage du slickificateur. Et nous voici donc pour le montage du slickificateur, l'arme zombie bonus de cette map des Rise. Donc je vous montre depuis la salle de l'électricité. Donc là on redescend par là où on était passé précédemment. Donc là je ramasse les pièces mais on les voit pas parce que ça vient du mode studio malheureusement. Donc là je la monte, là j'ai cru qu'il y avait un zombie, je me retourne un peu comme un con. Donc je l'assemble. Là, ici, vous avez la bouteille de savon. Donc, vous la montez. Après, je vais aller dans la cuisine. Donc, dans la cuisine, vous pouvez avoir la poignée. Mais là, elle n'y était pas. Donc, je vais vous montrer par la suite le deuxième endroit où elle peut être. Donc, là, je vais chercher la chaussette qui est juste au-dessus. Et ça, c'est. Ben, elle est juste au-dessus. C'est toujours le cas en général. Donc, là, vous avez la chaussette. Je la prends. Je redescends,
je vais l'assembler et donc la poignée, on va aller la chercher, elle est dans la pièce de l'électricité, donc je vais vous ouvrir enfin la pièce de l'électricité que je vous ai jamais ouvert parce que j'avais pas assez d'argent. Donc là d'ailleurs je vais en faire de l'argent, que je vous passe ça en accéléré parce que c'est inintéressant. Voilà, donc là j'ai mes 750, je repasse, j'ouvre la porte, donc là on vient de passer devant l'électricité. Donc ici sur juste en dessous de la table, vous avez cette fameuse poignée. Donc là je vais faire un petit travail d'esquive parce qu'il y a tous les zombies devant la porte, donc je vous passe en accéléré aussi, sans intérêt. Donc là je l'assemble et je vais vous faire un petit test vite fait de ce certificateur. Donc c'est une arme très pratique car comme je vous l'ai dit, qu'il y avait une bouteille de savon. Donc en fait ça envoie du savon, donc ça fait glisser les zombies, donc c'est assez rigolo et assez pratique quand vous êtes bloqué dans un coin, vous les, ça les retient, ça les ralentit et les retient, donc vous pouvez l'utiliser quand vous tirez directement sur le zombie, ça les one shot. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez un petit like et un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vous fais un bisou sur la fesse droite et je vous dis à la prochaine.